Salut à tous, petite vidéo de présentation d'un nouveau produit made in Brooklyn Fizz. Si vous nous suivez, vous avez connaissance du premier qu'on a mis en place, le courbeur de visière. Le deuxième, qui vient d'être terminé par nos soins, c'est la brosse à casquette. Les super tutos de Brooklyn Fizz. Alors pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire fabriquer et de customiser notre propre brosse pour casquette? C'est qu'on s'en sert tous les jours. Déjà en boutique, pour enlever les poussières et avoir une casquette plus présentable. Quand on prépare les commandes aussi, on les dépoussière un petit coup. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup testé de modèles de brosses. Jusque-là, on utilisait celle-là, la New Era classique, qui nous était fournie donc par New Era. On a choisi celle-là pour plusieurs raisons. Déjà, elle fait 23 ou 24 cm, ce qui fait que ça brosse pas mal sur la casquette. C'est de la première qualité au niveau des poils de la brosse. Ce sont des poils naturels. Le manche est en bois de hêtre huilé. Alors là, je vous fais l'article, vous allez me dire c'est juste une brosse. Hein. Mais nous, on est vraiment super contents de vous en proposer une en fait. Hein. Made in Germany. Ça c'est, ouais, petite fabrique familiale. Et en plus de ça, nous, on la customise nous-mêmes. Hein, côté do it yourself que vous connaissez déjà. Avec le courbeur. Que vous connaissez déjà avec le courbeur et notre imprimante 3D. Nous, on fait la gravure nous-mêmes. On a rajouté aussi le cuir, le petit lacet en cuir véritable. On a essayé de se placer aussi au niveau du prix. On l'a mis à 15,99€, ce qui est un peu moins cher que les autres brosses qu'on trouve d'habitude sur le marché. Très content. Alors qu'elle est made in Europe et made in France. Hein, elle est vraiment... elle vient pas de Chine, quoi. Donc, ah non, ouais, c'est fabriqué en Allemagne et customisé à Vénissieux chez Brooklyn Fizz, quoi. On est sur du... quelque chose de plutôt cool. Du coup, c'est notre deuxième outil Brooklyn Fizz, juste après le courbeur de visière. Ça nous tenait vraiment à cœur de poursuivre... sur la lancée. Sur la lancée qu'on a fait. Là, on est vraiment sur de l'accessoire centré sur le soin de la casquette. On va pas s'arrêter là, je pense. Mais là, vous avez un outil qui est hyper pratique, qui est fabriqué à côté d'ici. Enfin, c'est vers Mulhouse, un peu après la frontière. Et customisé par nos soins à un prix qui est vraiment raisonnable vu la qualité, quoi. Vu la qualité du matos, quoi. Voilà. C'est vraiment le courbeur de visière. On en a vendu beaucoup et ça s'arrête pas toutes les semaines. On a pas mal de commandes sur le courbeur et c'est avec ça qu'on s'est dit, ok, ça veut dire qu'il y a une demande aussi sur les gens qui aiment les casquettes, qui ont envie de les entretenir et tout ça. Et c'est pour ça qu'on s'est balancé un petit peu là-dessus, parce que vous imaginez que la mise de départ est pas la même quand on fabrique nous-mêmes ou quand on fait fabriquer et qu'on customise des produits, on ne peut pas les prendre à l'unité, quoi. On en vend sur le site. On en vend, là. Bah, je crois qu'il y en a 2 ou 3 par jour qui partent sur le site. Ouais, en boutique, il faudra qu'on demande aussi, parce qu'on l'a aussi mise en boutique. Ça a été gravé au laser. Oh, gravure laser. Ouais, gravure laser. Enfin, voilà, vous avez compris, on est fiers de ça. On est contents. C'est que le début, j'ai envie de dire. Réussir à tenir 5 minutes sur une vidéo YouTube sur une brosse pour casquette, c'est quand même vraiment pas mal, quoi. Mais il faut pouvoir financer... Non, c'est quoi? C'est pas le financement, c'est... La monétisation de la vidéo, il faut qu'on tienne encore 4 minutes, c'est ça? Alors, on va compter le nombre de poils. Voilà, vous pouvez la retrouver sur notre site internet brooklynfizz.fr, sur le site dédié à l'Europe brooklynfizz.com. Vous pouvez la retrouver en boutique 17 rue Childebert à Lyon. Ciao! Les super tutos de Brooklyn Fizz. Bonne affaire.